Je suis au domaine du braquage, les amis. Où sont les chiens? Je les cherche partout, il n'y en a pas un. Bon, ils devraient pas tarder. Allez, à tout de suite, on va s'amuser. Bonjour les amis, et bienvenue pour un nouvel épisode d'Handisport Go. Aujourd'hui, je suis à l'espace nordique du Braca pour aller à la rencontre de Jean-Michel et Johan qui vont me faire découvrir la découverte du chien de traîneau. Et vous allez voir, sensation de découverte garantie. Allez, c'est parti, suivez-moi dans cette belle aventure. Allez les gars, c'est parti! Oh, Calou! Hey! Hop! Hey, Melou! C'est bien! Hey, Simon! Ça va tracer, tu dis? Parce que là, en fait, c'est toute la meute réunie. Presque toute. Il y a 4-5 chiens qui sont restés à la niche, autrement, on a tous les chiens sur les 4 traîneaux là. Allez, Wild Dog! Alors, Wild Dog, c'est pas son nom, c'est Balou. Hein. Ah, c'est Balou! Ah ouais! Voilà, c'est son poste, Wild Dog. Moi, je connais pas la meute, hein! Allez, Balou! Tu m'as entendu, mon gros? C'est bien! Allez, ok! Hop, hop! Hop, hop! Là, il y a une vraie communion avec les chiens, c'est top! Allez, allez, allez! Allez, Balou! Wouh! Ok! C'est cool! Mec, niveau, cache, cache! Hey! En Disport Go! Eh bien, Melou! Wouh! Eh bien! Ok, ok! Ah, et ça monte! Clairement, les amis, là, on oublie le handicap. Venez, là, découvrir cette activité. C'est du ludique. Et vous allez en prendre plein les yeux, c'est garanti. Hein. On fait du freestyle, ouais, les amis! Wouh! Voilà. Tu veux faire une sieste, Tanguy? Tu veux faire une sieste? Allez, la bonne poudreuse! Voilà, mon petit snow. Son petit truc à lui, c'est se rouler dans la neige. Ah, il aime ça. Il adore. Allez les loups, ouais! La glisse, yépa, wouh! Yeah, on Disport Go! Yohan, on Disport Go! Allez mes petits loups! Allez mon machin! Ok! Comment tu l'as appelé, mon machin? Ouais, il s'appelle Machin. Mais c'est vrai que c'est un peu dur, mais il a une bonne tête à s'appeler Machin. Donc faut pas se louper, sinon on finit dans le ravin. C'est ça. Au choix, ravin ou arbre. Ici ouais. On a le choix. Voilà, c'est nickel si on a envie de faire une petite sieste là, remarque on est pas mal. Hein. Ça apaise le traîneau. Et puis là ce qui est cool, c'est que même nous en situation de handicap, voilà, on est tranquille, il n'y a pas d'effort. Tu profites comme... On en profite à fond quoi. C'est, comme tout le monde. Vraiment, c'est vraiment hyper agréable, hyper accessible et c'est top pour les personnes en situation de handicap. Donc là on attaque. On attaque deux belles descentes. Super, bah c'est ce que j'attends quand même, j'ai cru que j'allais m'endormir. Super. Allez Melou. Allez Miro. Ok. Te rapproche pas trop des chiens. C'est un coup de croc terminé. Ah ouais, à ce point-là, non mais ils ont pas. Ah si si, tout ce qu'ils peuvent croquer, ils croquent. Tant qu'ils croquent, ils croquent pas les guiboles, ça va. Ah ils peuvent aussi. Allez chien. Allez chien. On Disport Go, wouh! Par contre, ça coûte cher en croquettes, non? Ah, ça coûte cher en croquettes, c'est sûr. C'est la descente finale, les amis! Allez, Melou! Allez, Tanguy, t'es prêt? C'est parti! Petite chicane. Et après, on va accélérer. Allez, Melou! C'est bien! Encore! Yes. Allez, Melou! On Disport Go, wouh! Ok, ok! Yeah! Allez, allez! C'est bien! Allez, chien! C'est ça, c'est ça! Voilà! Hey, yeah! C'est bien, Melou! Okay. Écoute, Johan, le domaine du Braca est juste magique à découvrir. Vraiment, voilà, une sensation de balade et puis après, une sensation vraiment de glisse au taquet. Franchement, c'est, voilà, on en prend plein les yeux. T'as pas la sensation de fatigue, mais plutôt la sensation de soif et de découvrir. Vraiment cette pratique et puis le partage avec le chien vraiment hyper sympa et vraiment sensation garantie et en situation de handicap c'est top parce qu'on oublie le handicap l'espace d'un instant. Génial. Bon, va falloir que tu... Allez, tiens, je te prends les gants. Ouais, y a pas de souci. Regarde, je te prends les épaules.
Hop. C'est bon. Attention. Sors sur la gauche. C'est bon. Un pied, attention aux cordes. Un balou. Avec ses yeux verrons. Ouais mon gros. Ouais mon gros. C'est ça la communion avec les chiens aussi. Et là regarde. Notre petit machin. Il n'a pas une bonne tête à s'appeler machin. Oui, on a... Machin. Eh, il donne des noms c'est ici, bien. Au domaine du Barca, c'est quelque chose. Mais t'es beau, t'es mignon. Je suis là pour ça. Je te remercie. Merci. Je te fais le check réglementaire. Et puis bah. Bonne continuation sur la neige. Ouais, c'est gentil. Les amis, je suis en compagnie de Jean-Michel, donc Jean-Michel, le plus vieux mûcheur de France. Qu'est-ce que ce public de personnes en situation de handicap t'apporte, toi, en tant que personne, en tant que mûcheur, en tant qu'ancien du circuit, si je puis dire? C'est des personnes que l'on prend avec un peu plus de souplesse, quand même, parce que tu ne peux pas dire « dépêchez-vous, montez dans le traîneau », il y a le côté handicapé qu'il faut installer, il faut les installer, mais c'est vrai qu'on est proche. Et puis, bon, il y a l'handicap physique, il y a l'handicap moral, il y a certaines personnes avec qui on ne peut pas communiquer, mais quand on voit qu'elles descendent du traîneau, on le lit dans leurs yeux, quoi. Hein. Joli sourire. Voilà, il y a le bonheur qui s'extasie dans les yeux des personnes. Et c'est réellement ce que Handisport Go souhaite faire découvrir. Et merci Jean-Michel. Bon les amis, il est temps pour moi de quitter la pièce Saint-Martin. J'ai passé un excellent moment en compagnie des chiens de traîneau. Je remercie Jean-Michel et Johan pour leur accueil. Et je vous dis à très très bientôt pour un nouvel épisode d'Handisport Go. Salut !